Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Bazar en Herbe, astuce avec la machine à café automatique Kumbia 9000 de chez Zecotech. Astuce numéro 2, comment faire quand on veut utiliser un verre qui ne rentre pas en dessous de la machine. Déjà, on remonte au maximum, vous voyez ce petit là, versoir. Mais même si on le remonte au maximum, on se rend compte que tous les verres ne passent pas. Et pourtant, des fois, on a envie d'avoir des jolis et grands verres pour faire des latte macchiato. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement enlever la grille. On la met de côté. Vous allez ensuite, très simplement, tirer le petit tiroir vers vous. Tac. Donc là, il vous met un petit message d'erreur. Attention, il n'y a plus le tiroir, c'est rouge ici. Hein. Voilà, insérez le plateau anti-goutte. Oh là là. Bon. Donc ensuite, on pose le verre. Moi, j'ai un joli verre customisé. C'est marqué mon nom dessus. Ouh. Et vous allez pousser les tiroirs, tout simplement en le faisant coulisser. N'essayez pas de mettre le verre de biais, etc. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, boisson personnalisée, on va se faire un latte macchiato, on va enlever un petit peu de lait parce que j'ai pas envie d'avoir beaucoup de lait aujourd'hui, on va mettre plus de café parce que je veux du café, on va mettre beaucoup de mousse, on va mettre le lait en premier, et c'est parti! Donc là je vous avais pas montré hein, la dernière fois ce que c'était une astuce décaféinée, mais voilà, ça moule le café. Ça préchauffe pour avoir eh bien, du lait bien chaud. Bien sûr, on a branché le lait. Hein. Je ne vous remonte pas tout ça. Vous avez vu dans la vidéo précédente. Alors, je vais me mettre un peu plus bas pour être sûr que ça coule bien dans mon verre. Vous voyez, parce que... Hop! Il faut bien centrer. De toute façon, avec ou sans la grille métallique, il faut bien centrer. Voilà! Le petit lait est en cours de préparation. Bon, je vais reculer un petit peu, ce sera peut-être plus joli pour vous, je ne sais pas. Et maintenant, le petit café est en cours de préparation. Alors forcément, comme j'ai moins mis de lait, eh ben, on voit plus de café. Et vous voyez, la trace blanche du lait, elle est en bas, hein, elle est toute petite. Et voilà pour la démonstration. Ah, la machine, elle fait du bruit. Comment on fait maintenant pour enlever le verre? Ben, ne le penchez pas, parce que sinon, en plus, ça enlève les jolies strates que vous avez obtenues. Pour enlever le verre, c'est plutôt simple. Vous tirez le plateau. Vous pouvez enlever le verre comme ça, facilement. Et ensuite, il vous suffira de remettre le plateau, de remettre la grille, et voilà, vous avez réalisé donc, eh bien, un latte macchiato, même si finalement le verre est trop grand pour la cafetière, c'est une astuce un peu simple, mais fallait y penser. Et bien sûr, si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un j'aime à celle-ci, et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces sur le bazar en herbe, à bientôt!